Ni plus ni moins. On va rouler à 80, on prend les deux voies de circulation. Restez bien prudents, gardez vos distances quand même avec celui qui est devant vous et tout se passera bien. Quand on arrive à la sortie Agen, on va essayer de passer sur le côté à droite. On devrait pouvoir passer avec les agriculteurs sans payer le péage. On devrait. Si vraiment on n'a pas le choix qui nous oblige à le payer, ben il faudra le payer. Là, au départ, on prend quand même tous un ticket. On est d'accord? Arrivé là-bas, dès qu'on a passé la barrière de péage, juste après la barrière de péage, on se met tout de suite sur le petit parking qui est sur la droite. Le parking a été balisé ce matin pour qu'il n'y ait pas de voiture à cet endroit-là. Il y aura la place dédiée pour nous. Et arrivé là, on va attendre le convoi qui arrive devant le parking. Aller vers la préfecture où on a le rendez-vous. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Soyez prudents et du coup départ dans 5 minutes. Pas de burn, pas de folie, comme d'hab, hein. Tranquille. Ils se sont joints à nous. 33. À 33, il y a des Bordelais. Ouais, c'est bien. 33, c'est pas forcément des Bordelais. Ouais. Non, mais 33, ouais. Non, je pensais Bordelais, la FFMC. Parce oui, que oui, eux, ils ont. Oui, oui. Bordeaux. C'est... Ouais, c'est bien. Donc, on est tous là pour encore dire une fois qu'on n'en veut pas de leur contrôle technique. C'est une grosse merde de plus qu'ils veulent nous mettre. Genre, les agriculteurs gueulent après les normes qui. Ils assaillent et nous c'est pareil, on gueule contre cette nouvelle norme qu'ils veulent nous mettre. Ça ne servira à rien. Vous pouvez faire le tour des motos qu'il y a à la manif, il n'y en a aucune qui est en mauvais état. Et c'est comme ça, c'est. Et c'est 99,7% de motos qui le sont comme ça. C'est pas ça qui est à l'origine des accidents. On le dit, on le répète depuis une vingtaine d'années, on ne nous écoute pas. Donc là, on va dire une nouvelle fois à la préfecture qu'on n'en veut pas et que l'étape d'après, c'est le boycott. Mais pas le boycott des centres pour voitures, c'est le boycott tout simplement. On ne fait pas
le contrôle technique. On n'amène pas nos motos, même celles qui sont concernées avant 2017, on ne les amène pas. On verra bien s'ils nous verbalisent ou pas. Et ensuite, on fera comme pour les années 80, on boycotte. Et les PV, on verra si on a fait. J'espère que les policiers, les gendarmes seront quand même capables de faire discernement en voyant des motos en bon état, qui n'est pas le contrôle, on ne sera pas verbalisé. Désobéissance civile. Il va falloir quand même que dans ce pays, quand on manifeste, on soit entendu. Autrement, on va les chasser, on va prendre des fourches, des faux, et on va recouper des têtes comme en 89. Là, il y en a marre. Donc, on va aller à la préfecture en faisant très attention, parce que comme ça bouchonne un peu, il ne faudrait pas qu'il y ait des automobilistes un peu excités qui envoient des copains par terre. Donc, il y a des copains qui sont avec des gilets orangés et quelques gilets verts qui font la circulation. Vous surveillez vos rétroviseurs quand ils remontent, parce qu'ils sécurisent chaque croisement et ensuite ils remontent. Et malheureusement, bien trop de copains ne regardent pas les rétros. Et des fois, ça passe un peu juste. Et après, ça fait des animosités entre certains et c'est dommage. Donc je compte sur vous pour être raisonnable. Oui, madame. Ah. Donc on est une délégation de 6 personnes qui sommes reçues par la préfecture. Normalement, tout le monde est au courant. Il y a un copain de la 12, un copain de la 32, un copain de la 82, nous deux, Serge et moi, et un copain de la FPF. 6 personnes. Alors si vous avez le temps, vous attendez, on vous dira le résultat de la sortie, mais pour ceux qui sont un peu loin, on comprendra que vous partiez. Je renouvelle mes remerciements, merci. Et sûrement qu'à la mi-avril, il faudra monter à Paris, peut-être il y a une manif qui se prépare au niveau national pour essayer d'aller à Paris. Peut-être, pourquoi pas, faire comme les agriculteurs, bloquer la capitale en deux roues, essayer de se faire entendre. Donc je compte sur vous, sur votre mobilisation. Merci encore. C'est eux qui ont mis le Conseil d'État, parce que le gouvernement n'est pas d'accord. Redonne-moi les numéros, j'enregistre. Pour que ce soit simple, t'as la 12, la 24, la 31, la 32, la 82, la 64, la 65, la 47, la 40. Je pense que j'ai oublié personne. Les 33. Numéro complémentaire. 10. Hein ? Numéro complémentaire 33. Et le numéro complémentaire 33. Parfait. Ça fait 10 antennes. C'est parfait. Merci. C'est moi.